Ça va, Tom? Ça va très bien, et toi? Après 10 minutes d'acharnement pour essayer de tout mettre en route parce que mon téléphone il marche pas. Bon, on va régler ça rapidement. On est parti dès que t'es prêt? Ok. On va passer un petit peu par le centre-ville, ça va pas te faire de mal. Allez, on va reculer, je t'aide à sortir. Vas-y, on va mettre la marche arrière déjà. Et tu vas voir qu'il n'y a pas grand-chose pour reculer. On enlève le frein à main. Et on va simplement laisser le pied au-dessus du frein. Au-dessus, sans freiner. Voilà, on va lever et on rappuie. Non, on recule encore un peu. Laisse la voiture reculer et on s'arrête. On met la une. On tourne tout à gauche. On regarde si personne n'arrive. Et on ravance. Lève l'embrayage. Allez, tourne tout. Voilà. Allez, encore un peu. Vas-y, on va reculer un peu. On tourne tout. Voilà, et on retourne tout. On avance. Allez, ça passe là. Encore, encore. Avance encore. Encore. Non. Ok, d'accord. Et on revient. Et on redresse. On redresse. Et on reprend l'embrayage. C'était sport. Ouais. Putain, je vois rien. Moi, je le vois, il est là-haut. On le voit en haut en fait. On ira à droite. Il est brûlant mon téléphone, je sais pas pourquoi. Et regarde, j'essaye de le... J'essaye de le démarrer. Ah, ça y est, il a accepté. Ah. C'est bon. Voilà, serre un peu. Ouais. Et on va par là. Allez, on y va. Yes. Allez, on accélère un petit peu. Et on va mettre la deuxième. Ce qu'on va faire, au feu, on ira à droite. Fais attention avant parce qu'il y a une. Priorité. Voilà. Et on va aller à droite. Clignotant et voilà. Alors, essaye de freiner avant de prendre ton embrayage. Ouais, ok. Pas mal. Non, bien, on reprend. Super. On avance encore. Avance encore. Voilà. Pourquoi avancer encore? Parce que déjà, tu dissuades les gens de nous couper la route. Ouais. Tu vois, les gens qui veulent tourner. Alors, ouais. Si tu t'arrêtes et que tu leur laisses l'opportunité de te niquer, crois-moi, ils vont la prendre. Et ça, c'est vrai pour tout dans la vie, même au boulot. Si tu prends pas ta place, les autres n'hésitent pas à te la piquer. Hein, ouais. Allez, tranquillement, en accélérant un petit peu avant de lever l'embrayage. Ne te précipite pas. On cherche juste à faire propre. Hop, et on met la 2. Allez, on freine. Juste on freine. Tu vois, moi, j'ai pas, je me suis pas jeté. Et quand tu prends l'embrayage, t'es à fond. Reprends l'embrayage. Et tu vois, moi j'ai juste pris le frein. Ouais. Et tac, l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt. J'ai du mal à prendre le frein en premier. Je sais pas pourquoi ça me... Genre... Ouais. Bref. Bon, t'es pas le seul. Hein. Non, ça m'assure. Ça va alors. Mais juste tac, tu prends le frein. Et quelques mètres avant l'arrêt, tu reprends l'embrayage. Ça manquait un chouï d'accélération. Okay. Mais la 2, t'as senti que moi j'ai appuyé un peu dessus. Allez, on accélère. Voilà. On
peut s'écarter si tu as envie de le dépasser. Ou... Ouais, bon, après le bus, je suis pas sûr. Hein ? J'ai pas spécialement envie de le dépasser, ça fait un peu. Et on repart. On reste à droite. Okay. Et on ira tout droit. On fait attention au passage piéton et on va même s'arrêter. Okay. On freine tranquillement. On prend l'embrayage. Voilà. Okay. Super. On remet la une. Tu vois, le gars, il a pas laissé passer les piétons pour au final s'arrêter au feu rouge. Oh là là. Et en plus, vas-y, avance. Tu vois, le bus, il s'est décalé parce que pour tourner à droite, il est obligé de prendre le deux voies. Et le mec, il a quand même insisté pour passer. Ouais. Moi, à la place du bus, j'aurais mis le bus complètement en travers. Non, non, t'as pas calé. Bah, j'ai l'impression d'avoir calé. Tu regardes le contour si tu poses la question. Ouais. Si ça a calé, c'est sur zéro. Ok. Allez. Super. Okay. Allez, on accélère. Et on met la 2. Et on va remettre la 1. Désolé. Allez. Bon, j'aurais accéléré un petit peu avant, un petit peu plus avant de mettre la 2. Allez, on réaccélère un peu. Et au loin, t'as vu? Bon, elle était à l'arrêt, la voiture, mais elle a redémarré. La voiture grise, il y a deux voitures devant nous et la voiture encore après, elle était à l'arrêt. Ah, ok, d'accord. Allez, vas-y. Allez, on accélère un peu pour passer les feux si on peut. Si on peut. Ouais. Mais garde, 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 garde. Et on lâche. Okay. Tu vois, mais au moins, on a joué le jeu du feu vert. Ouais. Et pas que du feu orange. Voilà, on a réussi. Bon, on s'est pas arrêté avant que ça se cycliste, ouais. Mais au moins tu t'es concentré sur le fait de freiner, ouais. Hein, après de prendre l'embrayage. Là, j'ai pris la mauvaise habitude en fait, du coup c'est chaud. Il y en a plein, ouais. T'es vraiment pas le seul. Ma vidéo TikTok, elle s'est toujours pas téléchargée quoi. Elle est à un tiers du téléchargement, ça super. Me rend ouf. Si ton portable commence à fumer, c'est mauvais signe. Bah là, il est pas brûlant, mais il est vraiment chaud. Ouais. Regarde. Oh, ça va encore. J'ai connu pire, ouais, déjà. Non mais là, il est obligé, je vais le changer. Ouais. Bon, vu que la carte à ma femme, elle a été crachée là. Ouais. On l'a fait bloquer, bah du coup, pour ce que je t'expliquais. Ouais. Et que moi j'ai pas accès à l'appli, donc je peux pas faire d'achat en ligne. Alors tout le monde me demande, mais pourquoi t'as pas accès à l'appli? Parce qu'en fait j'essaye de dissocier quand même grandement toute mon activité de la chaîne, ouais. Et mon activité personnelle. Ouais, ouais. Ce qui signifie que mon téléphone, il n'y a quasiment rien de personnel dedans. Okay. Ou très peu. Et du coup, j'ai pas d'appli avec mes comptes dedans. Ouais, sinon, c'est logique. Et du coup, quand je paye par carte sur Internet, il me demande de valider sur l'appli. Mais j'ai pas l'appli. Ah, donc, je peux pas valider. En fait, à chaque fois qu'on fait des achats en ligne, je fais avec la carte à ma femme. Ouais. C'est d'où la problématique. Ma femme, elle est ravie d'ailleurs. Placer à gauche, angle mort, voilà. Et on change de voie. Hop, et puis on gère un super arrêt. Bon, je freinerai un petit peu plus. Ouais, c'est une bonne idée en freinant léger. Mmh.
Tu vas faire quoi de beau ce soir? Rien de prévu pour l'instant, je sais pas. On verra. Je vais geeker. Ouais, sûrement ce que je vais faire, ouais. On va pas se mentir. Je suis sur Dark Souls 2. Ah ouais. Vas-y, accélère. Et on met la 2. J'aime bien parce que. J'ai une PS5 qui a des vieux jeux. Dark Souls, c'est pas trop vieux, ça va? Ouais, le 2, il a plus de 10 ans. Ah ouais? Oh ouais. Non, mais on est au combien là? Il y en a un troisième. Ouais, il y a eu un troisième et il y a eu Elden Ring après. Ah oui, c'est vrai qu'il est censé être après. Mais du coup, là, je refais la trilogie. J'ai fait le 1 là, la dernière fois, ouais. Fred. Et là, je fais le 2. Ouais. J'ai jamais joué au 2, donc je galère un peu. Bon, après, les boss, ils sont pas durs, hein, vraiment pas durs. Attends, on va s'écarter un petit peu. Okay. Voilà. Parce qu'il y a une moto à droite, regarde. Allez, si on peut y aller, on en profite. Vas-y, on peut y aller. Putain, je déteste ce rond-point. Oh bah, même en tant que passager. Je l'aime pas plus que toi. Okay. Bon, après, je suis moins timide, donc j'ai... Ouais. J'ai un peu moins de problématiques, mais il est pourri. Hein. Ouais. Et encore pire en moto. Vas-y, on accélère et on met la 2. N'hésite pas à y lancer un tout petit peu plus, ouais, avant de mettre tes vitesses. Et tu verras, tu auras plus de temps pour les mettre. Allez, encore, 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 encore. Et on met la 3. Et regarde, même si on ralentit, tac, t'as eu le temps que tu voulais pour bien la mettre. Ouais. Je vais te faire passer où? On va aller à gauche, tiens. Tu vas me détester. Super. Angle mort. Allez, on se place. Si t'attends, après, ça va être un peu merdique. Voilà. Place-toi petit à petit. Voilà. Resserre pas parce que tu vas faire peur à la moto. Freine doucement. Et mets la 2. Voilà, si on peut y aller, on y va tranquille. Content d'avoir retrouvé ma GoPro. Bah oui, je comprends. Mais surtout que je me disais, ah, ça fait chier, elle fonctionnait bien et tout. Ouais. J'étais en train de regarder pour en racheter une. Je dis, ah, je vais pas en racheter une neuve, ouais, c'est pas la peine. Je vais en racheter une d'occasion. Attends, j'ai retrouvé. Ouais. En fait, celle d'occasion que je trouvais, elles étaient à plus de 100 balles pour des modèles plus anciens que celle-là. Ah ouais. Je dis, ah, oh, ouais, j'étais presque en train de me résigner quand je l'ai retrouvé. Hein. J'ai dit, ah, tu sais quoi, je vais appeler le mec, je vais aller la chercher. C'est pas un peu de chance, ça. Ouais. On ira à droite. Lâche le frein et freine. Et on s'arrête. Ah. On aime la version bagarre. J'ai vu un commentaire. Un commentaire? Ouais, sur YouTube, à droite. Ah oui, je me suis pris la tête parce qu'il y en a un qui nous klaxonnait hier. Ah oui, c'est vrai, ouais. Allez, encore, 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 encore. Maintenant, si tu veux, tu peux mettre la 2. Parce que alors là, si tu la mettais au moment où tu voulais, ouais, attention, il y a quelqu'un. Vas-y. Et on va. Tu vois, on serait retrouvé un peu comme ça. Et on accélère. Ça repart. Ça passe pas à deux. Donc c'est pas la peine de serrer plus à droite. Et on réaccélère un petit peu. On ira à droite. Tu comprends pourquoi je t'ai dit tu vas me détester? Ouais.
va tout droit. Ah, je suis content, lundi ma voiture elle va au garage, ils vont pouvoir enfin me réparer tout ce merdier là. Il y a des bonnes nouvelles en fait. Ouais. Bon, ça va m'amputer quand même d'une partie de mon argent, mais on ira à gauche. Mais franchement, je veux juste qu'ils me résolvent les problèmes qu'elle a. Bah déjà ce week-end bah en fait j'ai une fuite d'huile donc ils vont s'attaquer aussi à ça. Mais en fait la dernière fois samedi je vais tourner une vidéo. Attention c'est des priorités à droite ici. Je vais tourner une vidéo et en fait en fin de journée je vais tourner des vidéos en moto avec des gars et je te jure je m'arrête, je dis mais elle sent vachement le chaud ma voiture. Merde. Et j'ouvre le capot, ça fumait et tout. Et je regarde le niveau d'huile, quasiment plus d'huile. J'ai dit bon bah je vais faire une vidange. Et puis elle avait besoin. Ouais. Et parce que bon, tant qu'à remettre 2 litres d'huile, hein, autant faire une vidange complète, comme ça on n'en parle plus. Mais bon, elle fuit toujours, mais au moins elle a arrêté de chauffer comme une malade, quoi. Ouais. Alors, ce qu'on va faire à la prochaine intersection, ouais, on ira à droite. Freine un peu, freine un peu, tu vois. T'as compris que malgré que tu sois prioritaire, la tournée, ouais, on était pas hyper à l'aise. Ouais. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Moi je mettrai la une, on doit la priorité à droite et en face, avance un peu. Après la Ford, normalement on peut y aller s'il n'y a personne à droite. Voilà. Oh, avec le petit accélérateur et tout, il va neiger. Hein. C'est ma journée en fait. On met la 2. Allez, clignotant. Hop, et on s'écarte vraiment. Voilà. Tu vois, on a l'occasion de doubler. C'est pas grave, on revient tranquillement. D'accord. Là, il y a quelqu'un en face. Vaut mieux le faire ralentir lui, ouais, que faire tomber un vélo. Donc on revient tranquillement après, c'est pas grave. Okay. Après, on aurait pu accélérer plus franchement. Mais ce que tu as fait, c'est parfait. Mais surtout, on revient pas trop tôt. Que je me rechoppe Elden Ring. On va tout droit. Ah, non, parce que je l'avais sur Xbox, mais je l'avais téléchargé en version. Oh, quoi que je peux y jouer sur mon PC. On va tout droit. Vu que je l'ai en version des maths, je l'ai acheté sur Xbox. Ouais. Je peux me connecter. On va tout droit. À Xbox, à mon compte Xbox sur mon PC, puis jouer sur mon PC. Bon, normalement, il n'est pas trop prévu pour faire du jeu. Ouais. Bon, ouais, il est. Non. Ouais, il peut tourner. Hein? Tu baisses les settings de toute façon. Non, la carte graphique est pas ouf, mais il est capable de lancer des jeux. Il m'a dit, tu peux jouer au jeu hein, si tu veux. Je dis, non. Je dis, il va y faire que pour du montage. Montage. Ouais, puis j'ai une PS5. Ouais. Je veux dire, pour avoir. Alors attention, parce que alors là, tous les mecs qui geekent sur des PC, ils vont me dire rien à voir. Pour avoir un PC qui soit l'équivalent d'une PS5, faut quand même déjà mettre des ronds. C'est vrai. Voilà ce que je veux dire. Ah, puis franchement, niveau fluidité, la PS5, elle est bien. Ouais. Tu remarqueras tout de suite. Tout droit, tu me dis? Ouais. Ouais, mais j'ai un PC, je pense, il est pas mal. Hein. Mais niveau fluidité, la PS5, elle est quand même meilleure. Hein.
Bah, disons que pour avoir l'équivalent en PC, je pense que tu es à plus de 500 balles, hein, large, 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 pour la tour. Hein. Je parle que de la tour. Et moi, je n'ai jamais eu de soucis sur les PC que j'ai mis dessus, hein, en fret doucement. Les jeux que j'ai mis dessus, fret doucement. Voilà, parce que c'est une priorité. On est prioritaire de gauche, on check. Si on peut y aller, on y va. Il y avait un jeu auquel je voulais jouer. À chaque fois, j'y pense. Je retrouve le titre. Je le note pas. Et derrière, je me dis, mais c'était quel jeu ? Ah merde. On ira à gauche. Je crois que c'était un samouraï Niro ou un truc comme ça. Ça me dit rien. On ira à gauche. C'est un jeu avec un... Doucement, doucement, doucement. Sekiro. Non, ouais. C'est pas ça. Si, c'est presque ça. Sekiro. On va à gauche, hein. Ouais. Clignotant. Et on va à droite. Là. J'avais vu les graphismes, j'avais dit, oh là là, ce jeu, je vais y jouer. Ouais. En plus, ils vont sortir Assassin's Creed. Ah, j'ai vu. Au Japon, je crois. Ouais, vas-y, avance. J'ai vu des extraits. Ça a pas l'air mal. Ça sert bien. Après, le prix des Assassin's Creed, quoi. Bah, maintenant, c'est 60 euros les jeux en général. Hein. Ouais. On ira à droite. Okay. Ah, c'était. Freine doucement, freine doucement, freine doucement. Et on met la 2. Voilà. Et je crois que c'est Sekiro le jeu. Attention aux piétons. Allez, on revient un peu à droite et si on peut y aller, on y va. Tu as dit on sort ici. Ouais, c'est là. Après, une fois que tu es dedans, prends la décision, la sortie que tu veux. Ouais. Juste prends-la bien. C'est la bonne, c'est la mauvaise, on s'en fout. Mais juste vas-y bien. Je crois que c'est Sekiro le jeu. Il va falloir que je chope ça. Oh là 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 là, mais c'est dingue. Je suis sûr qu'il a toujours pas fini. Regarde. La connexion, non ? Non, c'est pas ma connexion, c'est mon téléphone, c'est de la merde. Ouais. Je te jure, ouais. je mets un. Non, mais de toute façon, je vais le changer. Ouais. Je pense. Ben non, la carte à même. Je crois que je vais aller en acheter un direct, je vais pas me prendre la tête. Tu sais ce que tu vas prendre. J'hésite entre. Vas-y. Bah, peut-être un S23. Bon, en fait, je veux pas acheter un truc neuf. Ouais, je comprends. C'est une politique assez bizarre que j'ai. Ouais. Bah, en tout cas, je comprends pas l'intérêt d'avoir le dernier truc, le payer très cher pour. Alors que j'en ai pas l'utilité. Ouais. Maintenant, je veux un truc qui soit quand même plus performant que le mien parce que le mien il me rend un peu fou. Je comprends. Regarde, je viens de lancer Chrome, j'ai rien fait. Hein. Chrome ne répond pas. Voilà. Tu lances, il répond déjà pas. il m'a dit non. Voilà. Non, 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 ça sert à quoi de ravancer ? Tu veux lui refaire le pare-choc ? Il est déjà pas assez abîmé ? Non, c'est bon comme ça. Sekiro, je crois que c'est ça. Ouais, ça s'écrit pas comme ça, mais c'est ça. Eh ben, je vais essayer de choper ça, tiens, Sekiro. Ouais, donc je vais peut-être voir là sur Back Market. Ou sans pub ou sans rien. On met la 2. Après, je veux pas l'acheter à un particulier pour plein de raisons. Ouais. Bah, déjà, tu sais pas s'il a pas un problème. Et la deuxième, t'as pas de garantie. Et la troisième, tu sais même pas s'il a pas été volé. On va tout droit. Alors que bon, au moins, tu l'achètes sur Back Market ou à un autre site du style. On va tout droit. Faut tourner un peu, faut tourner un peu. Voilà pourquoi. Ouais, je t'ai prévenu. Ouais. Tout droit, tu m'as dit. Arrête d'accélérer. Ouais.
il s'est cramponné à l'accélérateur. Non, mais il y avait la voiture qui arrivait, elle tournait, puis elle n'avait pas mis de clignotant, je sais pas. Ouais, non, mais moi, ça me gênait pas, la voiture. Okay. Il s'est dit, faut tourner. Je l'ai vu que la voiture, même sans clignotant, elle tournait. J'avais compris. Ouais. Mais toi, t'es resté figé dessus. Ouais, clairement. Je l'ai dit, faut tourner un peu, casse pas ma voiture. Attends qu'elle soit réparée au moins avant. Tout droit. Mais la 3. Bah, plus maintenant. Oui, j'allais. Léger, adouci un peu ton frein. Voilà, ouais. Parfait. Une R7, j'aime bien. Bon, il va réussir à me la télécharger, la vidéo. Un jour. C'est une vidéo qui fait 3 minutes. Hein. Ouais. Alors que des fois, ça me bombe, j'éteins, je redémarre mon téléphone, je la remets en téléchargement. Ouais. En 10 secondes, elle est téléchargée. On va tout droit. Ok, on va aller tout droit. Je voulais te faire tourner ailleurs, mais okay. Ça va être le bordel. Si on va à gauche, on va passer 15 jours à passer le feu avant le champ. Surtout à cette heure-là. Donc on va aller tout droit. On va se faire un petit détour. Ouais, c'est bien. Allez, on suit. On suit ou pas du tout. Voilà. Tu vois, il y a moyen de ne pas gêner le vélo, on en profite. À droite parce que là t'es un peu trop. Voilà. Parce que je te voyais, je t'ai vu, quand t'as vu la voiture en face, t'as dit oh, je vais me serrer. Ou accessoirement, il y a les voitures à droite aussi. Et t'as vu, il y a moyen d'être au milieu de notre voie et qu'il n'y ait pas de problème. Yes. Regarde le feu. Lâche l'accélérateur. Voilà. Freine tranquillement. Ah bah t'as vu, c'est repassé au vert. Par contre, en franchissant le feu, tu vas me remettre ta 2 parce qu'après il y a une zone 30. C'est pas une zone, c'est une limitation. Bon, ça se passe bien le boulot? Ça va. T'as fait tes corrections de bugs? Ouais. Attention, les piétons, les piétons, les piétons. Voilà, c'est bon. Ils ont réussi à choisir quelles données effacer. Ça, ça reste à voir. Hein. Et, de toute façon, après... Et moi, maintenant que j'ai trouvé les données qui foutent le bordel, là, eux, de se démerder à savoir lesquelles ils veulent virer. Hein. J'avais un logiciel à une époque où quand j'avais mon auto-école,
Ouais, tout droit. Freine doucement, freine doucement. Regarde, freine. Voilà. On avance doucement, on regarde si on peut y aller. Là, avec le bus, non, ben, on s'arrête. Hop. Et on repart. Allez, reste à droite, et on va tout droit. Et on met la 2. Et on va là. Et en fait, ce logiciel, bon, je payais tous les mois une somme conséquente. Ouais. Honnêtement, j'avais le moindre problème. J'appelais. Si j'arrivais pas à joindre un technicien, il prenait mon numéro, il me rappelait dans les 10 minutes. Je te jure, à chaque fois, il réglait mon problème comme ça. Ouais, c'est cool. Et bah, c'était, franchement, c'était agréable parce que tu savais pourquoi tu payais quoi, au final. Ouais. Et quand tu as un service qui est compétent derrière, c'est… c'est clair. C'est vraiment agréable. Franchement, dans notre boîte, ils sont top, hein, niveau support. Vraiment le point. Disons que on va tout droit. Ouais. On paye toujours trop cher, mais quand on a des tuiles et qu'on paye et que les gens répondent pas à la problématique, c'est chiant. Ouais. On va tout droit. Alors que arrête-toi. Voilà. Et on repart. C'est pas grave. Mais tu vois, il a son clignotant à gauche. Ouais. Toi, tu vois le clignotant. Gère comme s'il continuait. Quitte à repartir. Mais plus tu te gères tôt, plus tu repars tôt. Alors que si tu arrives en te disant tu tournes, tu tournes pas, tu tournes, tu tournes pas et que tu piles au dernier moment, là c'est problématique. Allez, mais ouais, en fait, disons que les services sont toujours trop chers. Mais en fait, quand tu as une tuile et que les gens ils montrent que le service il vaut ce que tu payes, on ira à droite. Vas-y, on avance. Et on va là. Fermer ta fenêtre hein, si t'as trop de vent. Regarde devant. Un et… trop complexe. Hein. Allez, vas-y, t'es capable. Yata. Ah, yes. Hey, j'aime bien parce qu'au début il s'est dit ça va être chaud. Regarde devant quand même. Regarde devant. Regarde ce qui se passe. Voilà. Super. Allez, on continue. Non, 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 pas tout de suite. En freinant un peu et on met la 2. Allez, on lâche et on appuie. Si besoin. Ouais, ouais, si t'as besoin, t'as besoin. J'ai besoin, ok, j'ai besoin. Ok, je te fais confiance. On y croit, on y croit. reprends l'embrayage, moi j'aurais pas relâché pour accélérer, tu vois. Là tu gardes ton embrayage et tu lâches juste ton frein si ça avance. Non, 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 pas non. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'avancer plus vite? Hop. D'accord, ok. Le mec derrière nous, il s'est écarté pour empêcher les gens de doubler. Vas-y, regarde la, 200, la 208. Là, tu la verras mieux à gauche, je pense. Bah, il s'est écarté pour empêcher les gens de doubler. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt ici de doubler, à moins que ça commence à être vraiment loin. Ouais. On ira. Mets la 2. On relâche doucement. On lâche ton embrayage. Voilà. Et on ira à gauche. Okay. Attends de voir si lui passe. Reste focus sur lui pour le moment. Okay. Si on peut y aller, on y va. Okay. Tu vas tout droit. À gauche. À gauche. Et on va par là. C'était enlevé. Ah. Allez, si on peut accélérer, on en profite. Et on met la 3. J'ai le même casque que lui derrière.
accélère. Hop. Voilà, 50. J'ai été lancé, je sais pas pourquoi. Du coup, on lui a fait une fausse joie au gars derrière. Après, s'il veut doubler, il double, c'est pas notre problème. Il va le faire. Lâche l'accélérateur. Voilà, comme ça, on lui facilite le dépassement. Sauf que moi, j'ai pas mis une antenne dessus. Stylé. Ouais, stylé, je sais pas. je préfère le mien, mais. Je mets ma main juste pour pas que tu te resserres plus. Ouais. Parce qu'on commence à être sacrément proche. Je suis joueur, mais ma voiture et moi, on a choisi une chose. Le béton, non. D'accord. Et on est d'accord sur ce sujet. Donc, donc elle et moi, on a acté le béton, non. Hop, et on met la 4. Voilà, super. Ouais, je l'aurais mis un peu plus tôt, t'aurais été plus à l'aise. Ouais. Éventuellement, on peut mettre la 3 sans freiner plus, parce que si tu continues à freiner, après on se retrouve à 45. Ah bah tiens. Après, si tu as besoin de ralentir, tu le fais. Si toi t'en ressens le besoin, faut le faire. On va passer par où? On va aller à droite, tiens. Okay. Ça fait longtemps que je suis pas passé par là. J'aurais mis la une avant de tourner. Hein. Allez, vas-y, écarte-toi. Allez, on avance.
traiter en douceur. Voilà. Mais tu vois, vu que tu vas à droite, il faut vraiment que tu viennes serrer à droite dans ce cas-là. On ira à gauche. Ah, je vais continuer à te torturer. Quel plaisir. En fait, je viens de penser à un endroit où je suis... Je suis pas passé vraiment depuis un moment. Ouais. Allez, c'est pas grave, on avance. Voilà. Super. Reste à droite, reste à droite. Et on met la devant. On ira à droite. Pas finir. C'est fou. 76%. Tu sais quoi, je vais faire un truc, tout fermer et je vais le redémarrer. Hein. Ouais, des fois ça marche. Je vais faire ça. Bah, t'imagines 45 minutes, il a pas téléchargé la vidéo. C'est un chemin. Hein, c'est... Puis il est brûlant mon téléphone. Ah ouais. Oh, brûlant, il est chaud quoi. Ouais, j'ai pas peur de le faire tomber ouais, parce que je me dis, t'es confiant, hein, je me dis qu'au pire s'il tombe, ça me fera une vraie excuse. Bon, je serais sacrément dans la merde parce que c'est un petit peu mon seul moyen de me connecter à beaucoup de choses. Tranquille et mets la 2. Ah bah oui, il ne faut pas attendre d'être à 20. Mais là, tu vois, du coup, tu mets tellement de temps à mettre la 2 ouais. qu'au moment où tu mets la 2, elle est déjà en peine, quoi. Tu sais que ma coque, quand je l'ai eue, elle était transparente. Ouais, mais ça, c'est ça, elle est pas transparente. Elle devient jaune. Check. Entre temps, j'ai plus de batterie. Je demande du multitâche à un téléphone qui est pas capable de me faire une tâche à la fois. Je sens que là, c'est compliqué. Bon, tranquille. 5 euros n'est plus qu'un
quelqu'un loin prennent tranquille. Il est grand temps pour toi de les préparer à la maison. C'est super simple. Et on repart. On commence par couper un blanc poulet. J'imagine que depuis tout à l'heure, j'ai baissé le son au minimum. Hein. C'est fou en plus que je reconnais les voix des TikTokers, tu vois. J'aime bien lui. Ajoute tout ça dans le bol d'un mixeur avec un peu de coulis de tomate, quelques feuilles de persil, de l'huile de tournesol. J'ai éteint le téléphone, c'est pas une blague. Regarde, il continue. Il va s'éteindre au bout d'un moment ou il est composé comme ça? Non, non, mais je l'ai mis en. Pour la sauce, dépose un jeu d'œuf avec. TikTok ne répond pas, mais j'avais compris. Il répond bien puisqu'il est toujours en train de parler. Ah, ça y est. Réaction du téléphone. Seulement 10 secondes. 15. Non, bon, tu rigoles, on est à beaucoup plus que ça. Allez, on accélère tranquillement. Lâche l'accélérateur, voilà. L'accélérateur freine. Voilà, et tu fais comme lui. Voilà. Alors, on réaccélère un petit peu. Et on accélère un peu plus. Loin, 150 mètres. Okay. Voilà. À gauche. C'est là-bas, avance. Voilà, reprends ton embrayage, mets les une. Souple ça. Oui. Il y avait de l'ironie. Oui, non, j'ai compris. Je précise. Et avance encore un peu. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte mon téléphone? Freine un peu, freine un peu. Voilà. Et on repart. Allez, on accélère. Thank you.
doucement. C'est une priorité. Ouais. VR46, le camion derrière. C'était. C'est le. Vas-y, clignotant. Valentino Rossi. C'est un. C'est un pilote de GP Moto. Bon, je crois qu'il est à la retraite maintenant. T'es un peu trop à droite, ça passe pas à deux. C'est pour ça qu'il y a un rétrécissement. D'accord ? On ne vient pas te coller, il n'y a pas de raison. Attention à droite. À droite. Ouais. Faut que tu regardes un petit peu où t'es. Mais tu vois, quand t'as de l'angle comme ça et qu'on commence à être au ras du trottoir, c'est, ouais, c'est pas grave. On se fait doubler. C'est Rossi, il a l'habitude. J'aime bien, il avait écrit VR46, c'est le truc de Rossi, et là c'est VRC, c'est une entreprise de transport. Je crois. Je connais pas. Let's go. Ah, je vais peut-être me faire Red Dead. Ah ouais? Ah ouais, j'ai envie de jouer à ça. Tiens. Red Dead Redemption 2. Tu l'as déjà? Bah, je l'avais sur PS4. Je l'avais rongé. Hein. Vraiment, j'avais fait un paquet d'émissions. Ouais. Ouais. J'ai pas tout fini parce que jouer pour jouer, comment dire, c'est comme ouais. On ira à gauche. Alors, excusez-moi pour mon anglais, il est pourri. Parce qu'il y en a plein qui vont mettre ça dans les commentaires. Mais faites-vous plaisir, on ira à gauche. Je sais que je parle anglais mode yaourt. Ouais, mais là, c'est une bonne idée. Si on peut y aller, on y va. Sinon, on s'arrête. Voilà. Accélère au lieu de. Voilà. Tu vois, là, t'es prêt à démarrer. Et on accélère. Allez, on met la 2. Tu mets à gauche. Ouais. Prochaine sortie. Ouais, c'est pas mal. C'est comme Hogwarts Legacy. Ouais. Vas-y, on accélère. On met la 3. Le jeu est pas mal. Mmh. Mais toutes les quêtes. Regarde devant quand tu mets ta vitesse. Je veux bien que tu jettes un coup d'œil, mais regarde pas ta main quand tu mets la vitesse. Ouais, je vais la perdre. Allez, on accélère. Et on met la 4. Bah, disons que toutes les quêtes, elles tournent très vite en rond. C'est toujours les mêmes trucs, quoi. Ouais. Alors, au bout d'un moment, tu sais, tu veux bien activer le jeu à 100%. Ouais. Mais quand c'est toujours la même chose, il n'y a rien d'intéressant à le jouer. Quoi. Ouais. C'est comme Elden Ring, je crois que dans les jeux auxquels j'ai joué, c'est l'un des plus complets. Ouais. Mais un truc à reprocher, les dragons, quoi. Au bout d'un moment, il y a combien de dragons dans ce jeu? Ouais. Alors c'est sympa d'en buter un, deux, mais à la fin, il y en a plein. Après, les gens kiffent les dragons, ça va ouais. Bien. Mais après, franchement, c'est un jeu... Tu veux t'amuser à faire toute la map et tout, le jeu il est très intéressant. Après, une fois que t'es up, c'est pas un jeu où faut up pour finir la carte quoi, parce que ça devient plus intéressant. On se remet à droite, angle mort. Et on ira à droite. Okay. Allez, mets la 3 s'il te plaît. Oui. T'as le temps encore. Moi, la 2, j'aurais commencé à la mettre à peu près par là. Ok, d'accord. L'allure est bonne. Allez. Allez, faut rester à droite. Faut rester à droite. Voilà. Et on prend la sortie. On reprendra à droite. On va essayer un truc. Je suis quasi sûr, moi à chaque fois je vous vois tous, vous reste en deux. Okay. Moi je pense qu'en restant à droite là, on roule pas sur les trucs. Hein. Oh, ça va. On roule moins en tout cas. Allez, vas-y. T'es un peu trop à droite. Ah,
et on ira à gauche la prochaine. Waouh, 90%. Tu vois, en 10 minutes, il m'a plus téléchargé que tout à l'heure en 45. C'est chaud. On freine doucement. Et si on peut y aller, on y va. Tu te rappelles pas? Ah. Pourquoi? Reste tranquille. Reprends l'embrayage et arrête-toi tranquillement. Ouais, t'aurais dû mettre la une. On freine, on prend l'embrayage, on met la une avant de tourner. Lâche tout. C'est dommage, on l'a fait hier. Bon, dans l'absolu, c'est pas mal. Bon, il y a beaucoup de conduite. La conduite, elle est pas assez autonome. Ouais. À côté de ça, tu es capable de tout faire. Et tout faire bien en plus. Ce qu'on va faire, on va pas se mettre... Je vois pas l'intérêt d'aller faire un examen blanc là maintenant et te mettre en difficulté alors que c'est pas le but. Ce qu'on va faire, on va se faire un examen blanc, mais plus en mode conduite commentée, à chercher un petit peu les indices. Ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. D'accord ? On se fait ça après ? Ça marche. On se fait 5 minutes de pause et on se fait ça. Allez, check.